Alors, hello à toutes, hello à tous, c'est Orphanaz. Alors, vous ne savez pas sur quel jeu nous nous retrouvons. Pardon, excusez-moi. Dès que je mets le logo, ça devient plus simple. Donc oui, nous nous retrouvons sur Darksider 2. Et oui, je suis en full size, mode... ça bouge un peu. En mode Fraps. Donc oui, je me suis acheté Fraps. Amen. Et donc, je vais faire une sorte de mini-série de à chaque fois 20 minutes. Enfin, je vais tester 20 minutes. Sur Darksider 2. Donc on est lancé. C'est parti. Je vais essayer de me la fermer pour la cinématique, mais je vous assure rien. Voilà, j'ai joué au 1. J'ai pas terminé le 1 et je me suis dit fuck le monde, je vais au 2. Retour. Continuer vers les jeux. Mais je sais, en plus j'ai acheté la version limitée, donc on aura l'édition limitée, donc on aura le tombeau d'Argus. Continuer vers le jeu. Vide. Donc j'ai jamais lancé le jeu, là je l'ai acheté il y a une vingtaine de minutes, je l'ai mis dans le jeu et je l'ai lancé. Donc, ouais. Difficulté, on va le mettre, qu'est-ce qu'il y a? Gars facile, normal, apocalyptique, non on va le mettre normal. Gamma on va mettre, pour que vous voyez quand même un minimum, je vais le mettre là. Que les runes qui se trouvent. Mais je les vois là et je les vois là en fait. C'est ça qui pose problème. Donc je vais me mettre ici pour que ça soit pas trop sombre pour nous. Et pour que ça me gâche pas tout le jeu. Donc voilà. Oui, désolé pour le petit 60 qui se trouve ici. La vie ne peut exister sans l'ordre. Bien, mal, lumière et ténèbres. L'univers a besoin d'harmonie. Ainsi l'a décrété le Conseil Ardent. Une entité chargée par le Créateur de préserver l'essence même de l'existence. Mais l'équilibre a été rompu. La Terre a été ravagée par les seigneurs des enfers. Et le Destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus. Certains prétendent que War a déclenché l'Apocalypse. Qu'en allant sur Terre trop tôt, il a condamné l'humanité. Mais qu'en est-il des autres cavaliers? Ces puissants agents du Conseil? Où sont Fury, Strife et Death? Pour les connaître, il faut connaître un autre nom. Néphilim, hybride maudit d'anges et de démons. Les Néphilim dévastèrent sans pitié d'innombrables royaumes. Mais quatre d'entre eux se lassèrent du carnage, inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre. Un pacte fut alors forgé. Les quatre serviraient le Conseil en échange d'un pouvoir inimaginable. Ainsi apparurent les cavaliers. Et leur première tâche fut de débarrasser la création de leurs frères, d'exterminer les Néphilim et de détruire leurs âmes. Intéressons-nous maintenant à l'un des quatre. Power. Enchaîné au pied du Conseil, clamant en vain son innocence. Mais celui qui veut sauver son frère par-dessus tout, il porte de nombreux noms. Bourreau, faucheur. On l'appelle Tess. De War, Death jura de sauver l'humanité. Mais il ne savait pas comment y parvenir. Il se mit alors à chevaucher le voile glacé en quête du gardien des secrets. Oh, il est style. J'adore.
J'adore son briquet. Wow. Ok. Donc ouais, attendez. Attendez. Parce que sinon ça va vraiment pas aller, affectation des touches. Parce que je sais, je vois comment ça fonctionne. Je sais. Une touche infectée. Non. Comme ça. Non. Comme ça. Oh putain. Oh putain. Attendez. Donc Z. Invoqué de boss. Je vais le mettre en A. Déjà utilisé. Oh, ça va largement m'énerver. Hop. Là. Voilà. Là. Là. Et là. Et je verrai ensuite si ça devient trop hard. Ah bah oui. Ah mais non, mais. Oh putain. Bon, attendez, invoquer Dust, je vais le mettre en W. Ça, je vais le mettre alors en Z. Ça, ma visée, déjà fait. Donc, alors, vers l'arrière, S. Vers la gauche, déjà affecté, donc ça peut bien voir. Et vers la droite, là. Donc, il faut juste que j'aille voir ce qui correspond à Q. Q, ma visée, je vais le mettre en A. Ce qui fait que maintenant, je peux faire comme ça. Oui, ça marche! Ce qui fait que maintenant le A, c'est le mode visé. Ça m'a l'air juste super compliqué. Et ça marche pas! Putain! Non, c'est pas ça! Oh, je sens que ça va m'énerver, ça va. Ça va déjà m'énerver. Contre la pied. Non. Contre la pied. Forme cavalier. Voilà, non. Tête croisée. Réplique. C'est quoi cette connerie? Contre la cheval. Ah, voilà. Ah, oh, c'est déplacé vers l'arrière. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Déplacé vers la gauche. Passer vers la droite, c'est ça. Ok, donc je pense que c'est bon normalement. Techniquement, c'est bon là. Donc, voilà. Non. Comment on fait pour revenir? C'est. Wow. Ça, je dois vous avouer que c'est vachement classe. Laissez un peu le son parce que je m'entends plus. Halt. Cela réduit votre endurance. Il se trouve où? Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, ça va être style à mon avis. Ouais. Ça fait déjà presque 9 minutes que je joue. En plus c'est vachement beau hein. J'adore cette attaque avec la feu. Je vois un truc, alors c'est C. V. Non. C. C. Voilà, C pour invoquer, cavalier. C. Oh oui. Oh c'est juste super classe. Oh ça va me plaire. Non, c'est pas par là. C'est. Quoi? Wow. Oh ça va me plaire. Oh ce jeu va me plaire. Oh oui. Oh ça va vachement me plaire. Ah oui ça je me souviens, il y avait ça aussi, c'est E je pense. Ouais E ça marche. Chope-le, je sais pas, c'est quelque chose. Bon ça a l'air d'être le frit ça. Ouais. Marteau. Ah, on peut changer. Appuyez sur O pour vous en équiper. O. Arme secondaire, voilà. Comment on fait pour s'équiper?
Space Bar, équipé. Ouais. Donc apparemment c'est une arme secondaire, donc je suppose que ça sera un coup droit. Oh oui. Les gens... Attends, vous déconnez, c'est... Non... Oh, oh oui, une gestion d'items. Oh oui. Oh ça j'adore. C'est genre le truc que j'ai kiffé le plus dans un jeu quoi. Une gestion d'items. Par contre on peut pas courir. C'est pas grave. Oh non. La forteresse. Oh ça va me plaire. Oh je sens que je vais jouer là-bas. On m'a dit. C'est pareil, la porte, j'aime bien. On m'a dit qu'il était meilleur que le 1. La rédemption de War. De guerre. Ce qui parle pas. Après mieux oublié. Oh oui. Oh, oh. J'adore. J'adore. Ils ont pas déconné question. Ouais, il y a quelque chose sur le français. J'ai dit dodo. T'as pas fini. Dodo. Oh oui les gars. Oh, oh mon dieu, mais que c'est stylé. Oh, là, les potions de soins, alors. On sait les accumuler. Armure, bottes, briquettes, non. Talisman, non. Oh putain. Jauge du cavalier. Ok, nécromancien. Je préfère encore prendre celui-là. Ah ouais d'accord, je peux pas encore choisir. J'ai pas encore point de compétence. Je comprends. Ouais. Pour utiliser une potion de coup. Oh je trouve ça style. Toi. Coucou espagnol. Oh. C'est quoi ça? Wow. Ça c'est Skype. Je suis désolé. Désolé, désolé. Alors, donc j'ai une arme secondaire. Est-ce qu'elle est plus puissante que l'autre? Galant. Bon, elle est moins puissante, mais je vais quand même tester parce que j'ai beaucoup de plus de style avec ça. Moi, je trouve, personnellement. Oui, j'ai beaucoup plus de style avec cette hache. Oh. Vous avez vu là-bas? Je suis pas fou, il y a bien un gars là. Majuscule. Oh oui. Putain, mais c'est... J'ai super peur. Ils ont amélioré ça. Ils ont amélioré ça parce que je me souviens que dans certains jeux c'était vraiment le gros défaut ça. Je pense par exemple à Assassin's Creed. Et purée, moi j'ai galéré. Non, ça prend ça finir. Je suis la mort. Oui, je sais que certainement qu'il y a des objets qui sont plus puissants, mais je n'ai rien à cirer. Moi, je prends parce que j'ai trop le style. Oh, oui. Je suis ta mort. J'ai mangé ta mère lorsqu'elle est décédée. Il y a 2 ans. Des gants. Je prends. Des gants, je crois. Une option. Option. Ramassage auto. Ok. Ok. Compte sensibilité à la vidéo, je vais juste augmenter un petit peu parce que
pas l'air plus beau. Comme... Enfin, pour moi, en tout cas. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est beau. Et je dois aller... Là. Oh, oui, c'est beaucoup plus sale. Oh, faut charger les pouces. On va baigner. J'ai bouffé ta mère. Par contre, rien que ça, je trouve déjà un mini lulz balèze pour un mini jeu. Alors si vous avez des conseils, je vois, allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est très bien dans les conseils. Je me fouille. Je suis mortel. Oh, ça, je me souviens de l'Arcadeur 1. C'est dans l'Arcadeur 1, je crois que c'était une tumeur ou je sais pas quoi. Putain, mais il est tout fou, je te dis pas. Il va pas être facile. Attends, quoi. Je crois que j'ai rien de comprendre un peu. Donc regardez, les potions de soins, je sais pas les noms. Les potions de soins, elles vont apparaître juste là. Vous voyez, en dessous de la barre de vie. Il y a une barre bleue, je sais pas ce que c'est l'expérience. Par contre, c'est bien juste n'importe quoi. Ouais. Voilà, je sais pas. Non, ninja. Chou. Putain, c'est bon. C'est lourd. Incroyable, incroyable. Hop, ça sent... Oh non. Ça, ça sent juste pas le boss. Hein. Ça sent juste pas l'ennemi totalement bloqué. Ah bah oui. Ah bah oui, bien entendu. Ouais, je vais tirer vite fait parce qu'il me reste 2 minutes. Oh. Déjà. Ouh. Ah, c'est bon. Totalement inversé dans tous les sens. Regardez. Regardez, je fais. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est toi. Mais c'est totalement bugué. C'est court, bordel de merde. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour trouver. Putain, je suis mort. Oh, mais je comprends que puis que c'est quoi ce bordel? Ah! Regardez, j'appuie sur Z, il ne veut pas avancer. Il est revenu en mode désertique. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bug? Mais c'est pas W! Oh non.
Oh non. Bon, vous savez quoi? Je pense que... Je vais juste vérifier un truc. Sang versé. Ah, trop classe. J'ai beaucoup de litres de sang versé. Bon. On va... Je vais stopper ici. Je vais essayer de régler ce problème. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Darksiders 2. The Playthrough. Allez. Je vous souhaite une bonne matinée. Non. Je vous souhaite bye les gens. Et à la prochaine.